saluer d'abord, en premier lieu, Monsieur le chef de Daïra, qui nous honore de sa présence. Nous n'avons pas invité. Il est venu assister spontanément. Et Monsieur le maire de Bouja n'est pas absent, il est parmi nous. Il est excusé parce qu'il a une commission qui arrive d'Alger avec le Wali, donc il est sur le littoral pour une rencontre qui fait partie de ses prérogatives de sa mission. Donc il s'est excusé ce matin, à 8h, il est passé pour me dire « Je suis pris, je suis excusé ». Donc je remercie aussi le directeur du musée qui nous a ouvert les bras. Et comme je l'ai appelé pour lui dire « Vous voudrez faire telle chose », il m'a dit « Le musée est à vous ». Le musée à Aulik, donc je le remercie. Et ce matin, en arrivant à 8h, c'était lui qui nettoyait devant le musée, avec le balai et la serpillière. Je n'ai pas trouvé à Alger un directeur qui fait le balai. Et je voudrais que je l'applaudisse avec vous. Ndunda, vous êtes venu, il y en a qui sont venus d'Alger, de Sétif, de Grande Kabylie, de Sibérich, de Bjaïa, de Jige, de Pateu, et vous m'honorez de votre présence, je suis heureux. Alain Ouabello, alors Ndunda, c'est mes cousins, mes frères, ceux avec lesquels j'ai gardé les chèvres, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Et pourtant, il y en avait. J'évoque particulièrement deux, peut-être trois, quatre, mais ceux qui sont en face de moi, j'ai Serd Rahman Ziyali, le maquisard qui a fait 7 ans de maquis. Je lui rends hommage. مش على خاطر مجاهد فقط وماكيزار وإنما رجل ونص بأخلاق سيدا هش كتاب زورت يوسيا جيفوريس إلى في سيتان بالماكي dans la compagnie 324 et quand je dis 7 ans il me dit non c'est pas 7 ans c'est un peu moins c'est 7 ans de guerre. Il a participé à plus de 50 batailles et à Tomcha durant la révolution. Et mes amis, ce matin, il y a une tour à Moussouye, Moussouye, où tu m'as dit, où je l'ai dit, il n'y a pas de crâne, il m'a dit, 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 Tersassim, Jadei Terzif. Et lui, il s'estime à sauver de. Il y a peut-être d'autres moudaïs. Il y a Serdi. Voilà, il y a Serdi Boucher. Il est là-bas. Serdi. C'est un grand de Michel de Marichberg. Merci. Et peut-être, je vous dis d'autres. Je vais aussi rendre hommage, avant de continuer, à quelques personnes. Je vais rendre hommage d'abord au professeur Zahir Haddadel. Zahir Haddadel, dont Madame Haddadel, elle est là, elle est parmi nous. Bien qu'elle est malade, elle est fatiguée, elle est venue. Allah, elle est aussi Zahir. Parce que c'est à lui, il a montré le vrai visage de Touga. Dans ses écrits, dans ses rencontres, dans ses connaissances, il connaît tout le monde intellectuel d'Algérie. Il a respecté l'Arabie Moussaïe, ou Khernidour en disant l'Arabie, parce qu'il a fait énormément pour Touga. Je vais évoquer le professeur Aïssani, il est là aussi.
qui fait un travail d'histoire excellent pour toute la vallée de la Soumane. Oui. Et je lui rends hommage. D'abord parce qu'il a été l'un des précurseurs qui a pris l'initiative avec un groupe d'autres amis pour la création du musée de l'eau de Touga. Voilà, c'est Brahim Sazagar, il est là. Lui, j'ai énormément de respect pour lui parce que je suis un peu jaloux de lui parce qu'il écrit en canadien. Moi, je suis. Et il vient de sortir un nouveau livre sur la vie du prophète en canadien. Hayat Rasoul Sahib en canadien. Ça, c'est un mérite extraordinaire. Allah est venu à ce prague. Je vais bien sûr évoquer, et ça, c'est un peu le cœur qui m'a parlé, celui que j'appelle le plus beau de mes frères. Mais c'est mon beau-frère. Parce qu'il y a beau et il y a frère. Mon beau-frère, c'est Abdelhamid Rami. C'est mon beau-frère, c'est mon ami, c'est mon frère. Donc on a fait le chemin ensemble jusqu'à maintenant. Voilà, lui aussi il a écrit. D'après ce que je connais, sauf il a fait trois livres. Il a écrit trois livres excellents. C'est lui qui a commencé. La vallée de la Soumane, le naufragé de la Soumane, il a écrit sur Boubacar, que les gens maintenant ils sont en train de chercher de faire des livres, la nuit rouge de Boubacar, et il a écrit un livre excellent de littérature sur sa mère. Mais en fait, c'est ma mère, c'est notre mère, c'est la mère de tous les Algériens qui ont souffert, qui ont eu des douleurs et qui ont lutté avant la révolution, pendant la révolution, et qui a une douleur que beaucoup de femmes algériennes, de dames algériennes ont eu. Donc ça, je voudrais aussi qu'on lui rende aujourd'hui hommage particulier. Voilà, je fais l'introduction, je vais m'arrêter là, je vais dire sans commentaire pour aller vite, parce que je compte pas prochain. Alors, aujourd'hui, j'ai le sentiment de vivre l'un des meilleurs moments de ma vie. Chacun de vous, ici présent, par son nom, par son passé, par sa valeur, m'apporte une part de bonheur. La multitude du nombre me comble de joie et me conforte dans ma fierté de fils de ces majestueuses montagnes auxquelles je me suis toujours efforcé pour leur demeurer fidèle. Chaque pas que je fais, je me rappelle de mes montagnes. Il ne faudrait pas que je trahisse ces montagnes par mon attitude, mon comportement ou mes ambitions. Dans quelques jours, le 20 mai, je bouclerai personnellement mes 80 printemps. Après un parcours marqué par de dures épreuves,
et agrémenté par de savoureuses réussites et succès qui ont effacé les moments de douleur, les moments de détresse. Alors, je vous demande, si vous voulez bien, comme vous êtes là, bon anniversaire, M. Cassini. Allez, faites-le. Est-ce qu'il y a un Algérien aujourd'hui qui fait ça comme nous? Ok, nous peut-être. Donc la date n'était pas fortuite. Alors je suis heureux. Son bon réel, c'est. On est moyen hack, je m'en sors. Donc, quel est, s'il vous plaît, les bien dans le temps d'aller là-bas pour parler. Quel bonheur peut égaler Madame Hadadère. Vous êtes une littéraire. Vous êtes même le riche. Même le riche. Je le français. Quel bonheur peut égaler celui de quelqu'un qui revient dans son village natal, qu'il a quitté dans la douleur en 1959, en plein brasier de la Révolution, pour présenter aujourd'hui son septième livre, son septième ouvrage. Allez, je vais vous dire, vous êtes venus, c'est le septième livre, dont deux, et onze autres, qui sont consacrés uniquement à Touja, et à ses hommes, et à ses femmes, et à ses choses. Donc Touja, mon village, c'est 2020, on l'a fait ici, le 25 janvier 2020, et aujourd'hui, c'est Touja. Images et visages, sont morts aujourd'hui. Des images de la nature, des hommes et des femmes, et il y a surtout des moudjahidis, notamment des maghizars et des chouettes. Donc c'est ce dernier livre que je vous présente aujourd'hui. Il compte 350 pages. Il comporte 126 portraits, dont 58 shuhada et mujahidin, 37 personnages remarquables, il y en a même qui sont nés bien avant 1900. Le total des personnes évoquées est de 300 pour le premier et le deuxième livre. Le plus vieux des personnes citées est née en 1851. C'est Hussein Ouara, Touati Hussein, qui est né en 1851. C'est le plus vieux. Et le plus jeune, par hasard, je n'ai pas fait exprès. C'est en lisant comme vous le livre que je le trouve. Enkbir Firoum Zaid, 1851. Je ne sais pas. Et le plus jeune, il est né en 1951. C'est Ismaïl Makhloufi, Allah yarhamhu, qui est mort dramatiquement et on a voulu l'évoquer. C'est-à-dire un siècle. Parmi les maquisards et les moudjahidis, il y a un peu plus de 15 portraits concernant les maquisards de la vallée d'Assouan. Donc on est sorti de la cuvette Touja pour aller vers. La grande capitale de Michelet, de Sidiriche et comme s'il s'appelait notamment, qu'on a cité. Il y
a deux maquisards et deux chouhada que j'ai évoqués qui ont une symbolique particulière. Il y a Mohamed Zernouch, lieutenant Mohamed Zernouch, les maquisards le connaissent. Il est né à Djelfa. Il était militaire, sergent de l'armée française. Il a amené l'ALN au poste militaire de Hora Namsila. Ils ont pris le poste grâce à sa complicité à lui et ils ont ramené 61, 60 mulets chargés d'armes. Il s'y a mis la famille. Il est mort chahid, son sang a coulé à côté d'une sœur à Gorbataj. Il est mort à Gorbataj. Il est né dans un endroit qui s'appelle Zafra du côté de Msifa. Le deuxième est un chahid de Tel-Aïba original et son état aussi. Il y aura un arbre français, quand tu dis français, oui. En 1957, il se trouvait dissocié de l'Oise-Nice. Il roulait de l'arbre français, il a rejoint l'ALN, il a combattu et il est mort chahid. Il est enterré à Boukaï, l'Oise-Nice, c'est-à-dire de Djelfa. اسقى الارض بدمائه في مربعتاش الوطن اللي نعتلى هبا اسقى الارض في الوارسونيس بالدماء سيت اون سامبوليك عندها رمزيه كبيره وقويه يفضلك لي جون جينيراسيون سو ريبيت الوغ تو هذا توجا نوفو فيلاج. Hada, il se distingue. Khor, c'est son frère jumeau. Mais là, il y a toutes les photos. Toujai, mon beau village, on n'a pas mis une seule photo. Mais Hada, il y a toutes les photos de ceux qui sont cités dans le premier et dans le deuxième. Les portraits portent la photo de la personne. Ensuite, on a fait un assemblage de toutes les photos. Et c'est un livre, disons, évidemment, qui a demandé du travail. Vous savez qu'un livre, se construit comme une maison. Non pas par des parpaings ou des briques, des blocs, mais avec des mots choisis, taillés, ciselés, mot à mot. كل مره تصرفي بمكانيس لو لا شيء بمكانيس انا صعب في الابراج لو ليفر كونتيان ها لو ليفر دونك 350 باج اي كونتيان 95475 مو 95,445 كلمه لي مو كلي سون أولا اللي توريك في كتاب النير كتاب فيير سي توجا 495 بلاد توجا باسكو الليبر يدور دور دو توجا كولونياليزم 194 لا كير 181 لا ريفوليسيون 163 لي جون 156 لالجيري 128 بوليتيك 112 Indépendance 102, combat 99, militaire et d'affaires, donc c'est le langage de la révolution. Et où est-ce que les médecins sont tous les gens? Ils vont essayer de chercher des gens de Touja qui sont connus et qui ne sont pas cités dans le livre. L'explication, je vous la donne, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens que j'ai contactés, pour me donner des renseignements sur leur père et grand-père, ou arrière-grand-père. Quelques-uns m'ont répondu catégoriquement qu'on ne cherche pas pourquoi. Non, on ne veut pas que le portrait de notre grand-père soit mis dans un livre. D'autres n'ont pas de renseignements.
des enfants de Chouhada, des parents de Chouhada, des petits-enfants de Chouhada, Rabbi ismah lahum, Allah ismah lahum, quand je leur dis, écoute, moi j'ai connu ton père et ton grand-père, Nraj al-Askar, il est mort, attention, je voudrais l'évoquer. Je fais une souhaite et puis donne-moi quelques renseignements. Il cherche après la pension, mais il ne cherche pas après le c'est malheureux. Ah, il n'oublie pas de chercher la pension. Je voudrais enfin terminer. Terminer, évidemment, ça c'est un peu sentimental. Vous prendre un témoin. L'autre canon est pour l'eau, l'Ishaël. Donner acte. Moi, je voudrais vous demander, à vous tous ici, me donner acte. Teshabariya, aujourd'hui, le 20 mai, on est le 14, mais le 20 mai, mission accomplie, elle dit mon rime. Vous faites de la manière vis-à-vis de mon droit, des gens que j'ai connus, vous faites de la manière de tout bouger vis-à-vis de mes racines, de ces montagnes. Donc,